Bah alors, bien dormi cette nuit ? Au top ! Mister ? Imhotep ! On est là, on fait les mails, on prépare les vidéos, et aujourd'hui, on va grimper l'Himalaya de la Martinique. La montagne pelée. Hein ? La montagne pelée. La montagne pelée. Elle est pas pelée, hein ! Elle est pas pelée, c'est pas dit pelée, hein ! Et c'est parti, Alex ! Et direction la salle. On devait aller normalement vers la montagne pelée. Mais on a regardé la météo, c'est pas le bon jour. On va bien préparer ça. Là, on part à la salle. Et derrière, on ira à la plage et on va faire du sale à la plage, à la salle, comme à la salle, comme à la plage. Oh! Et nous avons pêché Jacopino derrière la voiture. Jacopino Rico. Ouais, Jacopino Rico. On va filmer avec pêche une petite vidéo pour un casting. On vous en dira un petit peu plus. Oh, tu vois, je me vois là. Je suis en train de regarder mes narines, ça me rappelle quand j'étais petit. J'avais des narines. Mes refrains, ils m'appelaient Narine Land. C'était galère. Bon, mais ça c'est assez avec l'histoire, tu vois le délire, on voit. Ouais, vite fait, hein. C'est parti pour l'entraînement à la salle, donc pour nous avec Pascal, c'est les jambes. Ouais. Ça c'est un peu la gueule. Ouais. Ça va être sale. Vous savez comment on sait qu'il force de plus en plus? Plus il force, plus le téton est apparent. Ça s'est bien passé? Ouais, nickel, top. C'est mon moment préféré là, hein? Top, qu'on vient de passer. Fini les jambes. En fait, on a compris pourquoi ils s'arrêtaient pas la dernière fois en stop quand on était comme ça. Ici, ils font comme ça. Ah, c'est stylé comme ça. Mais dis, c'est un ringard comme ça. C'est à l'ancienne comme ça. Là, les gars, la forme. Oh putain. Faut protéger ta tête, gros. On sait jamais, le soleil il tape. Je vais t'en mettre dans le. Oh gosse, c'est moi. Body time. What else? Bonjour, nous nous présentons à la candidature. Hier après-midi, on cherche des clés. On a perdu les clés de la voisine. Enfin, PJ a perdu les clés que la voisine nous a prêtées pour profiter de sa wifi. Bon, j'ai trouvé un truc là. Là, il a trouvé. Il vient de trouver un sachet avec des clés dedans. Donc, peut-être. Trois clés dedans. On va voir. Peut-être, je passe partout. Attention. En fait, des fois, je fais des choses, je me souviens pas. Donc, peut-être elles sont là-dedans. Ouais, c'est sûr, elles sont là-dedans, il y en a trop. Celle-là. Bah. Putain, ça a les couilles que René. Jamais, en fait, c'est René. Je me suis fait pourrir par René. Oui, il a pas remis les clés et tout. En fait, grave. Attends, comment t'es plus mis trop de nez? Ah, je peux pas. Ouais, je me pose la question. Et c'est parti. Ouais. Direction, on va manger d'abord et après paintball. Ça va être sale, mais ce sera dans une vidéo à part. La vidéo de demain, si j'ai le temps de la monter. Je voulais juste revenir sur un petit truc. PJ, bon, moi je voulais monter au milieu pour pouvoir voir la route et pouvoir filmer aussi un peu tout le monde en même temps. Et PJ, il a voulu dire à Milan, en anglais, que j'étais fragile, en gros que j'étais une petite nature. Il a dit, he's a small nature. Oh, small, comme si c'est l'accent. S'il vous plaît, avec l'accent. A small nature, you know. Et après, il voulait lui dire. Il voulait lui dire. C'est chaud, gros, la tête de moi, c'est chaud. Pascal Ouz, mon grand frère. Il voulait dire que Pascal, il ressemblait au mec de ma famille d'abord à Milan. Et il lui a dit, non, he looks like the guy. In the family before. Ah, tu m'as dit ça, bâtard. Ouais, mais gros, je te jure, tu conduis vite. Non, tu conduis vite. En fait, ils disent qu'hier, en rentrant, on roulait un peu vite. Mais à aucun moment, c'est dangereux. Mais je te jure, c'est super. Moi, j'ai pas eu peur. En fait, tu sais, pour moi, ce que tu fais, c'est que le virage, tu le prends. Tu vois, en fait, tu conduis pas vite.
mais le virage tu le prends comme une ligne droite. Et ça là, ça c'est chaud mon frère. Moi j'économise les freins, ok. Et en plus le truc que tu me dis, c'est que tu me dis à aucun moment je me suis déporté du virage. Bah ouais, je freine à moi. Mais heureusement. C'est bien. On est pas serré. Non. Tiens, ma stade, ça stade, tu vois. C'est Yacoubo, il a son épaule là. Il est en train de coller sur moi. Et à chaque fois, il passe au-dessus comme ça, tu sais. Et c'est l'heure d'aller manger. Ouais, ouais, ouais. Avant d'aller au paintball. Bon, on va essayer de manger propre. Il y a un kebab, donc normalement, on peut se faire des assiettes. Avec la viande de kebab. Kebab blessu. Bien sûr, on est là, on soutient toujours Armi PJ, Armi Alex, un peu plus Armi Alex, bien sûr. Oh PJ, c'est normal que dans les dos, t'as un beat. Des sueurs. Alors, même à Martinique, personne... Il remixe encore son blage. C'est la table, Jago. Yago. Et Poséidon le sale, il est là. Et nous, on tourne à l'eau, nous. Hein. On est là, le mec sérieux. Sérieux, je mets la vidéo. Sur vous du time. Il y a plus propre quand même, mais bon. C'est pas mal. Y a pas mal de protéines. C'est les frites qui n'y font, mais bon. Et il y a un peu de glucides quand même. Ah, mais les frites, c'est sûr, on va pas les manger. Je sais. Tu sais parler créole un peu ou pas? Yeah, but I forgot the word. What was the word? Comment on dit? Well, here it was in creole. In creole. You speak creole? Voilà, on laisse un peu de frites quand même et un peu de sauce bien sûr. Et on arrive au paintball. On continue avec Jacopo et l'apprentissage du créole. Non, juste de l'accent martiniquais. Je crois qu'il a progressé. Je pense qu'ici il y a que des fous comme nous qui vont faire du paintball à 2 heures de l'après-midi. S'il te plaît, mais là t'as essayé là? Là il y avait du suisse hein, mais un peu dedans pas. Avec l'écossais il y avait du suisse là on cette dirait fois. Que c'est pire. Je te jure, c'est pire. C'est mieux. Ah mais j'ai bien fait moi. Ouais, il y a de la meilleure. Vous voulez du poulet madras? Le super madras. Ah, le super madras, parce que je l'avais dit madras, ça l'avait énervé. Ouais, merci. Dans des blogs précédents. C'est gentil, merci. Bon, juste pour info, on est rentré à 4h du matin hier soir. Levé à 8h30 ce matin. Là c'est très dur. Là on a fait un marathon. Là ça devient très dur. Les jours s'accumulent. Le manque de sommeil aussi. Et aussi on vous a dit tout à l'heure qu'on avait passé un casting. On a eu la réponse. C'est parti. C'était pas ma guerre. Petit aparté pendant le tournage. Comme vous pouvez voir le caméraman, il a un peu le seum, il s'est fait salement bicher par Milan. Donc Milan, lui non, faut pas le bicher. Raconte Jacopo, il était au milieu, tranquille en train de filmer. Je ça. C'est ça, c'est d'avoir pris des bras gros. Et voilà, le paintball c'est terminé. Oh franchement, on a fait paintball torse nu là, comme vous nous avez mis dans les commentaires. Oh, je me suis fait allumer. Oh, vous allez voir dans la vidéo, elle sort demain. Un moment on a fait, moi j'étais tout seul contre tous les autres. Je me suis fait rafaler les deux pecs de face. Après j'étais tout seul contre les autres, il s'est fait rafaler. Vous avez vraiment des idées tordues. Et nous, comme des teubés, on le fait. Exact. Pas jouer, je suis éclaté de partout. Et je sais pas si on vous l'a dit, si c'est la troisième ou huitième fois qu'on le dit, mais on a été pris pour un casting et on vous dit ce que c'est à la fin de la salle. On n'en peut plus. C'est dur là. Tous les jours on dit ça, mais là c'est vraiment. Sur la fin de ce vlog, donc c'est le moment de vous dévoiler quel casting on a été pris. En fait, on a fait le casting de Nice et on a envoyé notre vidéo, on a été sélectionné. Donc on va passer cet été sur TF1 dans cette émission. En attendant, demain, retrouvez la vidéo du paintball torse nu. Après-demain, l'épisode suivant des vlogs en Martinique. On se dit à très vite, ciao. Bad enough, you know, say me and you are fucked. Bad enough, you know, say you are giving up.